L'actualité qui marque cette journée est aussi la grève nationale contre l'austérité et le blocage des salaires. Quatre syndicats, la CGT, FO, la FSU et les syndicats solidaires, appellent les salariés à la grève dans les établissements scolaires notamment, mais aussi les transports publics comme Transpol dans la métropole lilloise. Place de la République à Lille, une manifestation est en cours depuis 14h30 cet après-midi. Notre journaliste Rémi Pem est allé à la rencontre des personnes qui se sont réunies afin de recueillir leurs témoignages. Aujourd'hui, à côté des grandes centrales syndicales, la CNT a appelé à un rassemblement de tous les travailleurs sur Lille pour un petit peu compenser le rassemblement qui se fera à Paris. Donc nous, on veut que ce soit un mouvement qui ait des attaches locales dans les entreprises, dans les régions, etc., pour faire perdurer plus longtemps ce mouvement. C'est intersyndical, interprofessionnel, les salariés du privé comme du public sont concernés.